Un cycliste de 70 kg roule à l'horizontale à la vitesse de 10 mètres par seconde. Soudain, il amorce une descente sans freiner et perd 5 mètres d'altitude avant de heurter un arbre au pied de la descente. On néglige les frottements et la résistance de l'air. Petit A, avec quelle vitesse heurte-t-il l'arbre? Petit B, quelle est son énergie au moment du choc? Voici les deux situations 1 et 2. Nous savons que la masse M est de 70 kg, que la vitesse V1 est de 10 mètres par seconde et que la hauteur h est de 5 mètres. Ce que nous cherchons, ce sont au petit a la vitesse V2 en bas de la descente, vitesse que nous exprimons en mètres par seconde, et en petit b, nous cherchons l'énergie totale O2, énergie que nous exprimons en joules. Nous allons appliquer le principe de la conservation d'énergie mécanique qui dit que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle d'altitude à la situation 1 doit être égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle à la situation 2. Pour calculer ces énergies, nous appliquons ces deux formules. Ainsi, cette égalité mène vers mv1 au carré sur 2 plus mgh est égal à mv2 au carré sur 2 plus l'énergie potentielle en 2 est nulle, vu que la hauteur y est nulle. Donc ce plus 0 tombe, et alors nous voyons que nous pouvons simplifier cette équation par m. Ainsi, nous obtenons que v1 au carré sur 2 plus g fois h est égal à v2 au carré sur 2, dont nous déduisons que v2 est égal à la racine carrée de v1 au carré plus 2gh. Nous remplaçons le v1 par 10, le g par 9,81 et le h par 5. C'est ainsi que nous obtenons que la vitesse en bas de la descente est de 14,075 mètres par seconde. Passons au petit b. Nous exprimons que l'énergie totale à la situation 2 doit être égale à l'énergie cinétique en 2, puisque l'énergie potentielle d'altitude y est nulle. Et l'énergie cinétique en 2 se calcule au moyen de cette formule par mv2 au carré divisé par 2. Nous remplaçons le m par 70 et le v2 par 14,075, comme ceci. Ce qui mène de suite vers une énergie totale de 6933,7 joules.